Livre de cahier d'activité, cinquième année primaire, livre de français, notre sujet dans cette vidéo sera la page numéro 9. La gazelle, la question numéro 4. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? Domestique comme le chien, comme le chat, ou bien sauvage comme le lion, comme le tigre, comme le girafe, sauvage ou domestique? Domestique, sauvage. La gazelle est un animal sauvage. La gazelle est un animal sauvage. Question numéro 5. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte? J'entoure de quoi se nourrit? De quoi se manger? De quoi manger? Mange-t-elle quoi? L'humain, l'être humain, mange le pain. Est-ce que la gazelle mange le pain? De quoi se nourrit? Le verbe se nourrir. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte? Je reviens au texte et je relis le texte. Puis je réponds à la question. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, des feuilles. Donc, j'entoure les plantes, l'herbe, les feuilles. Les feuilles, l'arbre, des herbes et des plantes. Des plantes, d'herbes, des feuilles. Exercice numéro 6. J'écris les mots du texte sous les images. Je reviens encore une fois au texte et j'écris sous les images. 1, 2, 3, 4. Je barre l'intrus. Je barre les mots étrangers. L'intrus. Tu souviens-toi de ce jeu? C'est un jeu éducatif. Tu peux imprimer ces images et jouer l'exercice pour trouver l'intrus. Par exemple, ici, où est l'élément intrus? Où est l'élément étranger? Trouver l'intrus. Il y a beaucoup d'exercices.
Chaque fois, tu trouves l'intrus. Par exemple, ici, l'intrus, c'est quoi? Par exemple, ici, l'intrus, c'est quoi? L'étranger, c'est quoi? Donc, c'est quoi ça? Des plantes d'herbe, des feuilles, le pain. Le pain, c'est l'élément étranger. Dans la vidéo précédente, on a parlé de ça. Elle se nourrit de pâtes. Les pâtes, ça veut dire quoi les pâtes? Les pâtes. Tu connais bien les pâtes dans ta maison. Les pâtes. Quelle pâte choisir? Les pâtes. Il y a beaucoup de modèles. C'est ça les pâtes. Est-ce que la gazelle mange les pâtes? Non, la gazelle ne mange pas les pâtes. Donc, l'élément étranger, c'est bien le pain. Je donne un autre titre au texte. La gazelle. La gazelle. Un autre titre de texte. Elle commence cette phrase avec un majuscule et finir par un point. N'oublie pas les règles d'écriture d'une phrase. Une phrase commence toujours avec une majuscule et se termine avec un point. La gazelle. La gazelle. L-A-G-A-Z-E-L-L-E. La gazelle. Et voilà la fin de cette vidéo. On a encore réussi à faire cette page. À bientôt.